à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo de pêche pour l'ouverture de la truite, donc ma préparation. Donc j'ai pris quelques leurres, enfin c'est tous mes leurres à truite que j'ai, donc j'en ai pas beaucoup, hein. J'ai des cuillères et des rapala. Donc voilà, je vais vous présenter vite fait tout ce que je vais utiliser pour l'ouverture de la truite qui se fait dans une semaine, jour pour jour, donc le samedi 10 mars. Donc moi je pense que j'irai très tôt le matin parce que tout le monde va y aller à l'ouverture de la truite, ça va être un truc de malade. Donc voilà. Donc pour commencer cette vidéo, j'ai en ma possession des rapalas de 3 à 6 cm, donc voilà, de tout coloris, donc entre veyron et de la truite. J'ai des petits comme ça, voilà, 6 cm, j'en ai plusieurs, hein, j'en ai des comme ça, voilà. J'ai des coloris jaunes, ça, ça fait 5 cm, coloris perche. Il faut savoir que les truites elles s'attaquent aux perches aussi, elles mangent tout ce qu'elles trouvent, hein. Ensuite j'ai des spin-up de coloris rose, donc voilà, une cuillère rose, hein. Je pense que pas beaucoup de monde utilise ça, donc pourquoi pas, ça se trouve je vais faire beaucoup de fiches avec, sachant que la rivière où je vais pêcher elle est très très dure, c'est que des poissons d'alvinage, ça veut dire que c'est que des poissons relâchés, il n'y a presque aucune truite sauvage, c'est un peu chaud, mais là où j'habite en fait il n'y a pas beaucoup de rivières assez sauvages. Donc je pense que quand même j'irai faire des tours sur Google Maps s'il n'y a pas des petites rivières bien sympathiques où aller pêcher. Mais sinon, j'ai que la fédération de mon village qui fait des ouvertures de truites dans le rue de Gauche. Donc voilà. Donc ensuite j'ai des grandes cuillères comme ça. En fait elles sont pas tournantes, hein. Elles sont juste dans l'eau, elles vont juste nager comme ça. Donc ils vont émettre beaucoup de vibrations. J'ai des petits rapalas comme ça parce que je les ai pas montrés, ceux-là c'est des 3 cm. Donc voilà, pour la truite, je pense que ça peut marcher entre en contre-courant ou dans le courant en lui-même. Ensuite, j'ai des cuillères avec un leurre dur à l'intérieur. Voilà. Donc ce qui fait effet de plomb, en fait, le leurre dur. Surtout, je pense que je vais utiliser beaucoup de cuillères MEPS. Parce que ça, les truites, elles adorent ça. Voilà, des cuillères MEPS, hein, taille 2. Voilà, j'en ai comme ça. J'en ai des comme ça, c'est des très vieilles cuillères, hein, qui étaient à mon grand-père avant, qui m'est donné. Voilà, des cuillères MEPS à plume, taille 2 aussi, que j'ai rajouté, j'ai enlevé le trilon parce qu'on va pêcher à la truite, j'ai mis un hameçon simple. Encore des cuillères MEPS, voilà. Tac. Et une cuillère comme ça, voilà. Et aussi ce que je vais vous montrer, ma canne. Donc moi j'y vais pour le plaisir, hein. Faut savoir que je pêche en no-kill. Donc voici ma canne. Normalement j'utilise pour le chevenne. Donc c'est une canne 1 3 grammes, une nickel, avec un module Mac 2. Voilà, elle est vraiment petite. Hein. La canne, voilà, je suis là pour m'amuser à la truite, vous voyez, je suis pas... Franchement, je pense que si j'ai une truite là-dessus, ça va bien m'éclater. Et j'ai une cuillère de suite déjà montée. Alors, ça n'a pas de marque, hein, c'est une cuillère que j'ai acheté, enfin que j'ai gagné sur un lot. Donc, j'ai gagné. Ah, ça a roulé. Voilà. C'est une cuillère donc non tournante encore, argentée, avec un hameçon simple voilà, sur le bout. Donc voilà, donc je pense que beaucoup de monde va faire l'ouverture de la truite, donc dans les commentaires dites-moi qui fait l'ouverture, que je voyais à peu près tous les abonnés qui font l'ouverture et tout. Et je pense que le samedi 10 mars, en rentrant chez moi, j'attaquerai direct le montage et puis je ferai une vidéo, pour que au moins il y aura une vidéo sur la chaîne dès le jour de l'ouverture, ouverture de la truite. Voilà. Donc voilà, c'était la présentation de mon matos. J'ai quelques leurres souples, mais je vais pas vous les montrer, c'est des squelettons, etc. Mais je pense que je vais pas pêcher avec. Je vais surtout favoriser les leurres rapala. Donc voilà, c'est la fin de cette présentation d'ouverture pour la truite. J'espère qu'elle vous aura plu, et puis moi je vous dis à plus tard.